Bonjour, donc Christophe, et oui, sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, c'est une petite randonnée donc en Dordogne, près de Bénac, où on va faire un point quand même sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois, où il y a eu les intégrations, des liens nocifs, des entités nocifs, des énergies nocifs, des possessions, des sceaux de blocage d'énergie, enfin bref. Et puis quelques paniques crabes où j'y étais sans vraiment penser qu'il allait se passer tout ça. Surtout, c'est que j'avais des ressentis. Et ces ressentis étaient à 100%, mais même, c'était encore plus fort et plus, inattendu et violent. Ce qui fait que j'avance. Donc mon taux de vibration en 2 semaines est passé à peu près de 30 000, 60 000 à 88 000. Et ça continue. Ceci veut dire que j'avance, des déblocages énergétiques se sont faits et que la vibration et la conscience est de plus en plus importante. Donc là, je me promène gentiment. Je viens de m'ancrer un chêne, puisque il y en a pas mal en Dordogne. Vous pouvez voir qu'il y a des oiseaux qui passent au-dessus, des feuilles qui tombent. On est bien en hiver. Mais il fait doux quand même, en janvier 2019. Donc je vais marcher tranquillement, en faisant un point sur tout ça. C'est-à-dire que je vais me reposer au moins pendant 2 semaines pour travailler sur moi, sur À vos douceurs, sur mes sociétés, sur ma famille, faire le point avec mes amis et de faire très attention sur aussi les soins, surtout les soins. Et non pas les prières, on peut faire des prières, mais bon, aussi ça prend un peu d'énergie, ça peut nous troubler, nous polluer un peu, mais c'est surtout les soins. Par exemple, j'ai fait un soin hier soir, à ma maman, et j'ai eu un taux de pollution ce matin assez important, plus avec le nouveau matériel que j'avais acheté. Donc j'ai dû dépolluer avec mon pendule le matériel, puis moi, me réancrer, refaire tous les tests, des taux, des corps, et l'ancrage. Voilà. Et comme ma corde d'argent est toujours abîmée, ça passe petit à petit, mais c'est toujours abîmé. Donc l'ancrage, dès qu'il y a des émotions ou une fatigue nerveuse, ça descend. Donc il faut faire très attention. Je le sens maintenant. J'ai des indicateurs pour éviter de passer à des corps émotionnels ou causales où là, l'émotion, et puis on peut partir en vrille. Là, j'évite, puisque maintenant, je suis conscient de tout ça. Je me connais de plus en plus, et encore du boulot. Et on avance. On avance bien. Je peux vous dire même que c'est positif, puisqu'il y a des bons de commande. Tout se décante, tout se calme. Mais il faut rester vigilant sur l'apprentissage, sur le regard, sur les ressentis et sur ce qu'on fait. Car je peux vous dire, j'ai pas beaucoup droit à l'erreur, j'ai aucun droit à l'erreur. Parce que dès que je me trompe ou je fais un peu dans l'exagération, je peux vous dire une chose, je le sais. Presque instantanément. Donc je reste vigilant, je fais attention, beaucoup de réflexion, de recul, mais aussi d'un meilleur sommeil et une meilleure attention, une meilleure vigilance et un apprentissage assez costaud, mais intéressant. J'apprends de plus en plus des techniques, j'essaye de les maîtriser au mieux. J'essaye aussi de travailler sur les révélations de la prophétie des anges, la première, la deuxième, la troisième que j'ai compris, mais c'est surtout la troisième qu'il faut exercer. Mais cette notion de synchronisation, de conscience, d'échange, de partage, de plus en plus je le vis, et je dirais que ça a même commencé pour moi réellement, sachant qu'il y a eu des choses un peu empiriques, un peu, je dirais, non contrôlées, donc non conscient, mais un ressenti, je dirais, depuis 2016. 2016, je peux dire que la synchronisation, en bien ou moins bien, on va dire, est de plus en plus intéressant et avec beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses et de cohérence. Voilà, donc je vais avancer sur ces points. Vous allez avoir
en continu ces entretiens que j'ai avec Nicolas, qui est donc le maître, mon maître énergéticien, quelqu'un qui n'est pas, on va dire, tendre quelque part, mais juste et reconnaissant, parce que je peux vous dire que c'est pas évident pour moi, mais c'était pas évident pour lui, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez, qui a des soucis avec l'autorité, mais qui surtout qui part des fois dans l'émotion et la colère un peu trop facilement, mais dans l'humeur, pas dans l'action physique, pas dans le côté, on va dire, un peu trop bruyant, voilà, bruyant, et puis de me remettre dans ma coquille, voilà, de me fermer, puis dire, bon, laissez-moi tranquille, faut respirer, voilà. Mais c'est pas forcément agréable pour les gens, et lui, il m'a permis de m'exprimer, je peux vous dire, je me suis pas retenu, mais bon, voilà. Mais c'est un travail continu, ça, il faut être vigilant, continu. Je suis toujours à correspondre avec d'autres personnes pour mieux comprendre, un groupe, bon, toujours toutes mes relations, et puis la création de cette chaîne, toujours, de l'alimenter, de mon site web que je vais mettre en ligne, là, de vos douceurs, mais avec toutes, mes capacités, enfin, les services, tout en continuant l'autre activité, qui est plus ou moins alimentaire, mais voilà, et ça va se faire petit à petit. Donc voilà quelques explications. En plus, je peux vous dire, je vais mieux, mon corps aussi, ma tête, on va dire, oui, et surtout beaucoup plus d'humour, de voir les choses beaucoup plus lumineux, voilà, qui a été quand même assez brouillé, masqué, et puis chamboulé, avec toutes les réponses, et un avancement plus solide pour moi. Voilà, je vous souhaite une bonne suite à poursuivre avec ma chaîne, et puis à très bientôt. Au revoir.